Hello, mister. My name is Sylvain. Sylvain. You're Pierre Chabrier. Yeah. Oh, thank you. Today we're gonna talk. All right then. Today we're gonna talk about a tourist trophy. Yeah, like my teeth. My fucking cocksucker. Okay, today we are going to talk about the dangerous road race ever made in the history of the town. And I like to suck some dick. Touriste Trophy. Alors ouais, le touriste, le petit trophée des touristes. Ce nom en vrai pue la merde par contre. Ouais, il faut qu'on en parle, ouais. C'est de la merde. Aujourd'hui, un petit épisode un peu plus concis, un petit épisode un peu soft parce que globalement, il n'y a pas grand chose à vous dire à part que les gens meurent. Résumé est bon, hein. Grosse boule, vite, vroom vroom, deux roues. Grosse boule. Énorme boule, ouais. Qui équilibre bien la moto d'ailleurs, normalement. Nom de merde. Nom à chier. Grosse boule. Touriste Trophy. En vrai, on peut l'arrêter là l'épisode, je crois. Aujourd'hui, un épisode un peu plus concis sur une course plutôt méconnue par chez nous, mais qui est littéralement la course la plus dangereuse du monde. Et pour ça, il fallait qu'on vous fasse un épisode. Alors, c'est pas une course de voiture, c'est une course de moto. Mais quand même. On vous avait parlé de plein de trucs à la con. On vous avait parlé du groupe B, qui était quand même un truc sacrément à la con. On vous avait parlé du Pikes Peak, qui est une course sacrément conne quand même. Le Pikes Peak, faut être sacrément con-con. Et avoir des sacrément bouboules. Mais alors, le Tourist Trophy, là, on est sur un niveau un petit peu au-dessus quand même. Notre histoire, elle commence sur cette petite île, l'île de Man, qui est littéralement coincée entre le Royaume-Uni et l'Irlande, une toute petite île qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'est un caillou avec beaucoup de c'est moutons. C'est pas vrai, les jolis. C'est de la merde. Il fait mauvais tout le temps. Il y a plus de moutons que d'habitants. L'île de Man, ça pue la merde. Il y a un seul truc qui est intéressant pour nous, en l'occurrence aujourd'hui. L'île de Man est le seul pays au monde à n'avoir aucune limitation de vitesse. Je te demande pardon. Ça peut paraître incroyable, mais l'île de Man, cette petite île, n'a aucune limitation de vitesse. C'était à l'époque, c'est pour ça que c'était fou. Mais ça a changé un peu parce que justement, les gens se prenaient pour des. Des fangers. Ils allaient là-bas comme des oiseaux avec le ferry et leur moto et ils faisaient n'importe quoi. Parce qu'ils en avaient marre de ramasser des gens morts au bord de la route. Bah surtout des piétons quoi. Ouais, en l'occurrence, c'est chiant quoi. Alors notre histoire, elle commence en 1904 où l'île de Man décide, à la faveur de l'arrivée des nouvelles technologies de transport, de ne pas mettre de limitation de vitesse. À l'époque, c'était anecdotique parce que même en France, il n'y a pas de limitation de vitesse. Pour le coup, par contre, on est en 2022, il n'y a toujours pas limitation de vitesse. Et ce pays fait partie des très très rares pays au monde à avoir des axes sans limitation de vitesse. Alors malheureusement, la vitesse, relativement récemment, a été limitée en ville. Or les jours où il y a le Tourist Trophy. En dehors des agglomérations, l'île de Man n'est pas soumise aux limitations de vitesse. C'est-à-dire que lorsque vous sortez des villes, vous roulez à la vitesse que vous voulez, quand bien même ce serait 300 km/h. Exactement comme sur l'autobahn en Allemagne. Alors l'autobahn, on connaît, c'est l'autoroute allemande. Donc en général, t'as trois voies, c'est dégagé, le bitume est relativement bon, t'as la place. L'île de Man, les routes, elles ressemblent à ça. C'est illimité, là. Il faut quand même reconnaître que globalement, malgré le fait que ce soit toujours illimité de nos jours, les gens dans l'absolu ne roulent pas très très vite parce que les routes ne le permettent juste pas sans prendre des risque inconsidéré. Et ça tombe bien, la course dont on va parler profite exactement de cet état de fait. Au tout début, le Tourist Trophy se dispute uniquement sur des motos, puisque c'était à l'époque les véhicules les plus performants. Et au début, le Tourist Trophy se dispute uniquement sur une petite portion d'une vingtaine de kilomètres. Une portion sur laquelle, je vous fais pas de dessin, les mecs soudent comme jamais dans la limite de 60 km/h de moyenne. Ah ouais, voilà, hein, c'est-à-dire que gardez ce chiffre de 61 km/h de moyenne à comparer avec le chiffre actuel qu'on vous donnera tout à l'heure. Et à comparer avec la moyenne en France de circulation où une voiture en moyenne dans sa vie circule à 50 km/h de moyenne. Voilà, à l'époque, la moyenne de la course, donc une course sur route fermée exprès pour l'occasion dégagée, 61 km/h, c'est-à-dire des fourchettes qui devaient aller entre 30 et 90 km/h. Je pense qu'à 90 sur ton monocylindre là. On est en 1910 les gars. La première guerre mondiale n'existait même pas encore. Et je pense même qu'à ces vitesses-là vraiment, je pense que tu lâchais pas. Je pense qu'ils avaient des particules qui étaient adaptées, ils avaient des pneus à chambre à air, ils devaient être des pneus de vélo, il devait y avoir du caca au fond du slip. Hein. Mais vous inquiétez pas, le caca au fond du slip va être récurrent dans cet épisode. Je suis désolé, ça va être très beau fin. Mais là, pour le coup, entre les boules et le caca au fond du slip, ça va pas être très propre. Hein. Nicolas. Il faudra attendre 1911 pour voir arriver le tracé que l'on connaît. Donc, c'est-à-dire que c'est l'une des plus vieilles courses du monde. Pardon. Mais ce tracé de presque 60 km traverse une trentaine de villages et fait littéralement le tour de l'île. Donc, la course, c'est de faire le tour de l'île. 6 fois. Ouais, parce qu'il y a plusieurs manches. Donc, 360 bornes. Mais un tour, c'est 60 bornes et c'est un tour de l'île. 17 minutes. Putain.
Ouais, 17 minutes pour faire le tour de l'île, ouais, c'est cohérent comme... Hein. À l'époque, les pilotes se lancent à faire ce tour de l'île, donc avec bah, leur pétrolette hein, de l'époque. Hein. Et il faudra attendre peut-être 80 ans pour que ça commence à devenir intéressant quand même. C'est commencer à avoir vraiment les premiers morts et c'est... Ouais. Parce que juste pour information, parce que là, vous vous imaginez peut-être que du coup, faire 17 minutes un tour de 60 km, c'est juste un rond en fait, mais pas du tout. Hein. C'est le paradis des motards là-bas, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu te dis dans ta petite vie, ouais, j'adorerais avoir des virages et tout, c'est sympa des fois des petits virages. 264 virages il y a dans un tour. Et le mec, il met 17 minutes. Enfin, les années 50-60 que ça commence déjà à faire le 100 miles de moyenne. Mais ça devient vraiment intéressant, les premiers morts graves, j'allais oui, dire. Oui, les premiers morts graves, ça devient intéressant. Les morts graves, parce qu'il y a des morts pas graves. La course est dans un relatif anonymat bah, jusque dans les années 60 parce que la seule chose qui faisait que c'était limité, c'était la performance des véhicules et surtout la topologie du lieu. On va vous mettre 2-3 images là pour vous rendre compte à quoi ressemble un tour du Tourist Trophy. Un tour du Tourist Trophy, c'est littéralement un tour de l'île. L'île n'a pas été créée comme un circuit, d'accord? Ok, il n'y a pas de limitation comme sur un circuit. Il y a 264 virages et ça traverse plus d'une trentaine de villages. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que les mecs traversent des villages à bloc. Image. Genre, il y a des maisons, il y a des petits murets, il y a des trottoirs, il y a des dodanes. Et on sait ce que ça fait un dodane, un peu vite. Ouais, mais pas à cette vitesse-là. Non, et ouais. Pas en moto. Et dans les années 60, alors qu'on parle de véhicules quand même très modestes en termes de performance, ils arrivent enfin à passer la moyenne de 160 km/h, soit 100 miles par heure de moyenne. 160 en moyenne, en traversant 30 villages avec 260 virages. Bah, c'est ce que je fais pour venir te voir. Hein. Sur autoroute. Il y a des petits bleds par chez moi. Un petit bled qui s'appelle Paris. Non mais t'imagines que même en voulant donner toute ta vie, genre là on te dit, il y a une autoroute, soude, il y a pas les flics, t'arriveras pas à 160 de moyenne. C'est impossible que t'arrives à 160 de moyenne. Les mecs sur un tour d'une île, avec des routes parfois qui passent qu'à une épaisseur de voiture, avec des dodanes, des villages, des murets, des arbres, de partout, aucune sécurité, les mecs font déjà 160 de moyenne dans les années 60. Ok, il va y avoir quelques idées dans cet épisode. Take the leadership in the race. Ils les lancent toutes les minutes ou toutes les deux minutes selon les années. Et en fait, il y a des pilotes plus ou moins rapides qui arrivent à se rattraper. C'est-à-dire que littéralement, il y a des mecs qui essayent de se dépasser sur une largeur où tu ne peux pas dépasser même en moto à des vitesses moyennes de plus de 160. Et ça, c'est les années 60. Parce que ce qui est drôle avec le Tourist Trophy et ce qui fait que cette course est devenue littéralement légendaire, c'est que les règles, on vous les a données, là, vous les avez. Elles n'ont pas changé les règles. C'est les mêmes. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Bah oui, c'est les mêmes. Effectivement, les règles, elles n'ont pas vraiment évolué. C'est ça qui rend le truc un peu fou et que c'est la course des barjots en fait. Il y a un truc qui a changé par contre. Peut-être les Alors les motos elles ont un poil évolué, il y a eu des petits problèmes notamment qui ont fait coquer, les réglementations n'ont pas changé mais par contre avant elles faisaient partie des championnats du monde. Et le problème c'est que dans les années 70 il y a commencé à avoir vraiment des morts. Effectivement un grand monsieur de l'époque qui est décédé, Gilberto Carlotti. Pardon, Giacomo Agostini il a fait le Tourist Trophy. Ah bah monsieur évidemment. Putain mais les boules du bonhomme. Je te dis que jusqu'à 70 c'était dans le championnat du monde. Donc il fallait bien qu'il le fasse pour être champion du monde. Non mais d'accord mais... Enfin... Eh bah voilà, donc il a dû le faire pour être champion du monde sauf que vu que ce monsieur Carlotti là bah il est mort sur son 125. Le problème c'est qu'ils ont décidé puisque tout le monde a décidé de continuer de boycotter le Tourist Trophy parce qu'il trouvait ça trop dangereux, bah de retirer cette course du championnat du monde. Ah non, il y a John Surtees aussi dedans. Oui. Mais il faisait de la voiture. Oui. Il a aussi gagné le Tourist Trophy 5 fois. Il a fait de la Formule 1. Oui, quand t'aimes la vitesse à un moment. Mais hein, John Surtees. Tourist Trophy, c'est, on a dit, hein. C'est Bouboulande. Et le truc, c'est que bah, au fur et à mesure, ça s'est ouvert à plein de catégories. Parce qu'au début, c'était des petites catégories, des monocylindres, juste des bicylindres. Et après, ça s'est augmenté. 125 cm3, 350 et... Illimité. Et... Dans les années 70, commence à avoir réellement des morts. Alors, je vous spoil hein, l'histoire. Hein. Il y a eu plus de morts au Tourist Trophy que d'éditions. Et c'est une phrase qui est terrible à sortir. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a plus d'un mort par édition. La 100e édition du Tourist Trophy était en 2019. En à peu près 100 éditions du Tourist Trophy, parce qu'il y a quand même eu 100 fois le Tourist Trophy. C'est incroyable. 100 fois, c'est pas mal. Bah, le problème, c'est qu'il y a eu le double de morts. Voilà, il y a eu plus de 200 morts. David Coutenard. Deux morts en moyenne par édition. Par édition. C'est qu'en vrai, t'y vas pour concourir. T'as une chance vraiment de rester. Tu sais que dans la liste, il y aura deux noms barrés à la fin de la course. Mais comment ça se fait que ce soit aussi risqué? Je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y ait autant de morts? Image. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réglementation n'a pas évolué. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme de la course. Et surtout, et c'est terrible à dire, mais les pilotes militent pour ne pas changer la réglementation. En fait, c'est un grand club de suicide. Et ils militent tous pour dire, en vrai les gars, on s'en fout, de toute façon, on a tous envie de crever. Allons faire la course, rigolons au moins une dernière fois.
Malgré le fait que ce soit excessivement dangereux, chaque année, les pilotes militent pour continuer, et surtout malgré ces 100 éditions, donc je rappelle qu'il y a plus de 100 ans qui se sont déroulés. Les motos ont évolué du tout au tout. Dans les années 70, on passait déjà les 160 km/h de moyenne, avec des motos qui n'atteignaient pas 100 chevaux. 100 chevaux dans une moto, ça marche. Ah bah 100 chevaux dans une moto, ça commence à marcher. Ouais. Ça marchait, on est d'accord. Ouais. On a essayé, il y a longtemps, un truc qu'on n'a pas filmé, qui était l'aisselle de Nouvelle Hayabusa, 200 et quelques chevaux, 330 en pointe qu'on a pris, ça va. Sauf que nous, on avait une place, une largeur folle, une longueur folle, on connaît la piste, enfin, tranquille. Pas de dévers compliqué, pas de boss, pas de dodane, pas de village. Déjà, t'arrives au bout, il y a un slibard taché. Hein. Le slibard était troué. Ouais, il y a... Et on se chiait dessus avec des motos de 200 chevaux. Et sur les dernières éditions, la moto qui a remporté le record, c'est-à-dire la Kawasaki H2R, fait plus de 300 chevaux dans une moto. Dans une voiture, 300 chevaux, ça bombarde. Record H2R, maintenant. J'adore faire des lancements télé. Qui donne un charme phénoménal et aussi la raison pour laquelle les pilotes se battent pour garder ça, c'est que c'est la dernière épreuve sportive motorisée où littéralement, bah c'est la fête du slip en fait. Les mecs se lancent sur des motos de 300 bourrins, de moins de 200 kilos, on a des rapports poids-puissance qui atomisent des Bugatti Chiron, d'accord? Genre une H2R, ça atomise une Bugatti Chiron, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et les mecs font des boucles sur des routes de campagne de 60 km avec des routes qui ne sont pas du tout adaptées. Parfois avec des temps abominables. Des fois ça pleut, des fois c'est gras, c'est l'enfer. Des fois il y a des moutons qui traversent au milieu. Les mecs traversent des villages à fond sur des bécanes de 300 chevaux. Ils traversent des villages. Il y a des trottoirs, il y a des murets, il y a des arbres. Il y a des dodanes et il y a un dodane sur le tracé. Les mecs, les pilotes sur place, se font des théories pour prendre ce dodane le plus vite possible. Et il y a littéralement des interviews où ils disent ouais mais en fait ce dodane c'est pas grave parce que en fait ça fait un léger droite et un léger gauche, ça fait un S. Et qu'en fait, si tu te démerdes bien avec le dodane, tu le prends comme ça, tu peux le prendre ouais, tout tu droit. Tu tapes une vesquille. Et globalement, les mecs prennent un des dodanes du circuit à plus de 200 en moto. Hein? Dans les commentaires, vous avez le droit de mettre Vilebrequin petite bite, c'est autorisé. On l'a fait à 180 dans une voiture, sur une piste d'aéroport, avec des conditions de sécurité incroyables, on s'est chié dessus. Les mecs le font à 200 et surtout ils te disent tu peux le prendre à 200. Par contre au moindre degré qui est pas bon, tu te prends le trottoir qui est juste en face. Mm-hmm. Et c'est fini. Terminé, à plus. Tu imagines le stress du pilote. Mais le stress de la petite dame qui habite dans la maison qui est en face de ce putain de dodane. La petite dame c'est oui. Mais le monsieur qui est sur la moto, déjà c'est sa faute. Il avait qu'à pas monter sur cette moto. Non mais d'accord. Il a qu'à pas prendre un dodane à 200. Oui. Et puis lui il a pas peur hein. Non mais je crois que t'arrives à un moment où t'as plus peur. Je te dis, le cerveau, ils l'ont laissé là-bas. Parce que si t'as un cerveau, à ce moment-là, tu peux pas partir. La vitesse de pointe maximum réalisée sur l'île de Man, je rappelle que c'est des putains de routes de campagne. Il va falloir mettre un million d'images pour que les gens comprennent. 331 km/h de pointe. Là, on arrive du coup, non, parce mais... que là, on parlait de tout ça, des motos récentes, à la moyenne comparée à la première édition qui était de 61 km/h. Actuellement, on est à 221 km/h de moyenne. Sur un tour de 60 km, 221 km/h de moyenne. Une moyenne, voilà, frérot. Ils mettent 17 minutes pour les faire les 60 bornes. Moi, le trajet de 60 bornes que je connais le mieux, c'est Saint-Étienne-Lyon. Et inversement, Lyon-Saint-Étienne, parce que je peux te dire que je l'ai fait un paquet de fois. Quand j'avais le Boxster ou le Z4, il y avait du sans-plomb qui avait craché par terre, c'est qu'il n'y avait pas de radar, le Waze était là. Quand je le bouclais, les 60 bornes en 30 et quelques minutes, j'étais content. 17 minutes. Avec des virages dans tous les sens. Hein. C'est sur autoroute, moi. Hein. Toute petite bite. Après, ce qui est intéressant quand même, on pourrait se dire n'importe qui y va et se bute en fait. Heureusement, non. Bah, moi j'y vais, je me bute. Oui, mais tu peux pas concourir du coup. Pour les sélections, c'est pas exactement comment ils le disent, c'est le Man X ou le Man X GP en 600 cm3. Et si là tu réussis et tu passes en dessous des 20 minutes avec tes 600 cm3, tu as le droit de participer au vrai championnat fou. T'as déjà fait un truc de dingo, hein, parce que t'étais déjà en 600 cm3 à moins de 20 minutes. Surtout, hein. Moi je me suis tué avant. Nous, on s'est tous butés en scooter, frère. Ouais. En trottinette électrique. Pendant qu'on était en train de repérer en trottinette électrique, on s'est mangé. D'accord, ouais, ça ouais. C'est ok. Au moins, il y a des petites steps. Voilà, puis en vrai, je pense que objectivement, tu te lances pas là-dedans sans avoir un petit niveau. Ouais. Bah
Bah du coup, c'est pour cette raison qu'on retrouve dans les pilotes vivants qui ont gagné des noms incroyables, hein. Des Giacomo Agostini, pardon, hein, qui a été je sais pas combien de fois champion du monde de moto. À un moment, quand t'es champion du monde de moto et que tu t'engages au Tourist Trophy, c'est que ça va quand même. Même des grands noms de voitures comme John Surtees par exemple qui ont gagné dedans. Et puis surtout l'hégémonie Dunlop. Je crois pas que ça soit la famille des pneus Dunlop. Je crois que ça a rien à voir. C'est juste un nom très connu. C'est pour ça que cette course s'adresse vraiment à des pilotes ultra aguerris. Quand tu t'engages au Tourist Trophy, je crois qu'il faut avoir fait une croix sur la vie. Genre, faut vraiment partir. Tu vois, c'est comme au casino. Tu pars avec un montant d'argent en disant il est perdu. Et si je reviens avec plus, c'est bien. Bah tu pars au Tourist Trophy, c'est pareil. Tu pars en disant de toute façon, je suis mort. Et si je reviens vivant, eh ben c'est champagne pour tout le monde. C'est bon moi. Eh ben ça me fait plaisir. Eh les gars, oh, je suis vivant. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve vraiment des pilotes ultra aguerris, des pilotes qui font bah, vraiment le respect intégral de toute la profession. Un mec qui pèse le Tourist Trophy déjà. Genre un Giacomo Agostini, qui était champion du monde plusieurs fois de moto. Le mec qui pèse, il l'a gagné 10 fois. Il l'a fait une fois. Et il y est retourné 9 fois. Joey Dunlop, qui est le détenteur du record de victoire au Tourist Trophy sur les à peu près 100 éditions, l'a gagné 26 fois. D'accord. Comment tu peux faire une croix sur ta vie 26 fois? Bah alors lui, en l'occurrence, je pense qu'il a fait une croix sur sa vie une fois ou deux au début. Il a gagné, il a vu que ça passait à chaque fois. La théorie ultra pragmatique consiste à dire si je suis pas mort là, c'est que je peux pas mourir. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a une théorie. Je sais plus non plus, mais je l'ai entendu. Ouais. En l'occurrence, pour l'instant, il a raison. Putain de merde! Moi, j'aimerais vraiment voir le Tourist Trophy de mes yeux. Parce qu'apparemment, en plus, l'ambiance est incroyable. Parce que les Anglais savent vraiment s'amuser. Alors, les Anglais savent s'amuser et les motards savent s'amuser. L'ambiance motard plus anglaise, alors là. Plus un peu de binous partout! Merci de nous avoir regardé. Un épisode un peu plus light. Peut-être que vous aimerez mieux. En tout cas, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Allez, et ben on s'abandonne. Merci de nous avoir regardé. Gros bisous. Ciao, ciao! Okay, I'm all gonna right. Talk with Texans. I'm coming from Texas. You know you, mommy. Mommy. Don't touch me ever. Mommy. Oh la 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 la, le malaise.